Bonjour frère Maxime, comment vous êtes? C'est GFL Cuisine Créole. Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre la canne, nous m'a dit nous merci. Merci pour confiance, nous merci pour fidélité, nous merci pour bouche à l'oreille. Nous continuons à faire chaîne à monter et vidéo à regarder vraiment. Ça veut dire nous partageons en pile, moi dis nous un grand merci pour ça. Moi prends un petit temps tout pour me saluer quatre super membres de GFL Cuisine Créole qui c'est abonné payant. C'est Régine Toussaint, Marie MC, Marie-Mat Sully et Teddy Clermont. Moi dis nous un grand merci pour encourager nous, encourager de façon spéciale. Je dis à la, moi prends préparer pour nous un petit bouillon de fruits de mer. Pour moi faire bouillon de fruits de mer là, moi prends faire un bagage là pour nous y aurait des coups bouillon. Après ça m'a venir avec tout fruits de mer pendant que coups bouillon pour le cuit, moi prends le montrer nous avec qui ça me va le faire. Pour me faire coups bouillon, moi besoin persil, céleri, un piment bouc entier, puis oignon coupé grossièrement, carotte coupé grossièrement, et puis avec petit feuilles ça y aurait des feuilles de laurier. Qu'on a là moi le mettre quelques parfums. Moi mettez graines girofle là-dedans. Moi mettez oignon, moi mettez quantité vous voulez parce qu'on va le bagage, moi le décanter. Moi mettez poivre entier là-dedans. Moi mettez l'ail coupé grossièrement. Moi mettez une tasse de rhum Babancourt 5 étoiles parce que c'est 5 étoiles là mien là quand même, mais ou même ou ca mettez n'importe alcool ou vous ca mettez du vin. Puisque c'est un petit produit créole vous voulez faire, moi mettez un petit jus de citron là-dedans. Au final, moi mettez une tasse d'eau. Moi lui m'a dit fais-moi. M'a mettre couverture sur lui qu'on a pas mettre le bouilli, c'est sacré, un coup bouillon tout ça là-dedans. Pendant coup bouillon à fait là, moi venir pour montrer nous qui ça qui fruit de mer là. Mettons gant même pour monter ça pour montrer nous. Moi pas mettre gant pour une question d'hygiène. Moi mettre gant pour éviter contamination croisée. Ce qui veut dire l'aime fin toucher poisson ça ou là, on va le toucher légumes. M'a retiré gant, moi jeter. Pas une question hygiène. Même plus propre que gant. Mais on saumon là, moi coupé yo, m'acheter l'entier, moi couper me fait petit morceau. Ça lui même c'est un mix de fruits de mer. Là moi gagne moule. Là moi gagne calmar et que là moi gagne petite crevette. Et puis là moi gagne pieuvre. Moi chargé, moi gagne petit morceau thon aussi là-dedans. Ça lui-même c'est crevette liée. Donc toute contre crevette, ça c'est pétanque. Coup bouillon m'a fait, après ça m'va venir avec nous pral ouais qui j'aime pral utiliser et puis qui ça m'va faire qui pour faire bouillon. D'accord? C'est ça fruit de mer là. En passant une petite connaissance comme ça, ça c'est pas un pétanque ou pas carne qu'à l'emballe en mer aujourd'hui. C'est un bagaille cultivé. Donc cultivation c'est comme si j'en planté maïs ou planté manioc. C'est cultivé ou cultivé vraiment là un espace conservé pour yo cultiver même gens avec moule là aussi moule là c'est pas un bagage pour aller aller ou aller emballer la mer au joigne oui c'est là la mer lié vraiment mais c'est un monde qui vient avec une technique avec des produits les météo le semer en côté pour yo grandir pour yo venir grossir même gens avec un yam même gens avec un manioc d'accord mais ça cou bouillon me quitter le bouilli là pendant une trentaine de minutes moi dit bouilli. Une fois qu'elle bouille, nous quittons 30 minutes écoulées pour aller chercher tout goût qui vient dans toutes sortes de météo. Et voilà, parfait, nous, décanté, mais ça que de décanté. Moi, je viens avec mon lot chaudière, avec mon passoir. Moi, tout déposer là-dedans, moi, fais ça. Massa, je jette, pas besoin encore. Mais ça, me besoin. Et bouillon, ça qui goûte. C'est lui-même, et avec qu'on a mal fait, petit bouillon des fruits de mer. Là. Nous parlons de bagage, c'est l'enfer, comment c'est bon. Pour bouillon qu'on a là, il est en bouillie. Moi, venir avec un quart de tasse de l'huile d'olive, on mettez là-dedans. L'aime fini, moi, dis nous pour qui ça mette l'huile d'olive là. Sauf que nous pas mettre l'huile. Moi, mettez demi tasse de d'oignon coupé en deux là-dedans. L'enfri de mer, on venir avec mélange ensemble. Moi, vider là-dedans. Ouais, j'en lié là, il va le monter. Hein. Il va le faire beaucoup de liquide. Là, on quitter le bouillon un peu. L'aime fini bouillie. Et puis après ça, on va continuer à rester. Si nous remarquons là, qu'on est allé bouillir, tout ça, on a acheté déjà congelé, on a cuit déjà. Mais saumon, lui-même, n'est pas même prendre 7 minutes pour le guet en cuit, ni pétanque là tout. Et peut-être ça, me passe pas ça avant parce qu'il est plus résistant, il est même pas crasé. Tout de suite, je mets les crevettes là. Dès que ça fait bouillir, nous allons voir ça, on va le faire.
pendant que fruit de mer a bouilli qu'on a monté nous ça m'a mettre là-dedans. Nous songeons de mettre un quart de tasse de l'huile d'olive, mais farine non, c'est peut-être farine non que fait de mettre là. Parce qu'on a la moelle diluée farine dans une demi-tasse, dans une tasse d'eau, demi-tasse farine, lui-même pour pas coller en bas chaudière et peut-être ça me mettre l'huile là. Dans mes légumes qui va faire bouillon, là une tasse de cresson, une tasse d'épinards et puis une demi-tasse de poivron rouge, poivron vert. Si vous voulez mettre d'autres petits légumes, vous pouvez mettre. Mais moi-même, c'est juste ça vous mettez. Et puis ça, vous avez un petit piment bouc, juste pour voir simplement, il n'y a pas de graines dans la dent, moi je vais le mettre là-dedans. Qu'on a mal tout mettre tout de suite, sauf farine, je ne vais pas mettre, qu'on a nous allons. Brasser jusqu'à maintenant, ça va. Ça sent bon. Pas oublier le gros bouillon de fer, il était bien pile assaisonnement là-dedans. C'est ça qui fait la capote goût là-dedans. Je vais venir avec une tasse d'eau, demi tasse farine, je mettre dans l'eau. Qu'on a brasser pour me diluer. Une fois que la farine est bien diluée, je vais venir avec un petit passoir. C'est lui-même qui va faire un petit genre épaissi. Pas trop, mais parfait. Maintenant, nous sommes avec un bouillon là, on y a, mais parfait. Pas trop épais, pas bien, un petit bloc pour tomber encore là. Pour qui ça me va mettre saumon et piton clan parce que vous pas prendre pile temps pour cuire. M'va le écraser, m'va le rester bien belle. Tout ça dans ça là pas craser au même. Moi ajouter piton clan, moi ajouter saumon, tout ça ou t'étais lavé déjà hein. Et qu'on a là moi mettre un petit pou piment bouc moi. Et voilà. Qu'on a là m'va quitter continuer à cuire comme ça. M'va prendre 5 petits piments fait mettre là. Après ça m'va le goûter goût pour mettre un petit sel, pour mettre un petit poivre. Nous allons voir ça. Quand on a là, on vient avec un petit sel, gros sel de même, on met le sel là-dedans. Mais en attendant, il faut diminuer du feu hein, pour pas trop bouillir. Mettez la 5. Quand on a là, on met le poivre là-dedans. Voilà. Ça là, c'est excellent. Si vous voulez tout, vous ne pouvez pas nous faire, vous cuit yam blanc ou bien yam jaune de côté. Vous cuit yam nan à part. Banane à part ou casser le gros sec au besoin qu'on a là ou mettre là-dedans ou quitter le frémis là-dedans pendant 20-25 minutes et puis qu'on a là goua après 30 dans yam là après 30 dans manioc là après 30 dans tout ce qu'on a habitué mettre dans bouillon traditionnel yo. Yam là banane bien absorbé bien rentré là-dedans bien chaud. Toujours sur mon mouette bien ferme encore, c'est fait, on ferme. Moi t'ai goûté le, moi ajusté le, c'est parfait. Ça, c'est un bouillon de fruits de mer de façon créole. Bon, un petit calmar pour me goûter, ok? C'est excellent. L'assaisonnement est là-dedans, est bien pénétré. Pas oublier partager la vidéo pour moi. C'était JFL Cuisine Créole. Jean Fedon dit votre chef à la maison qui est entré à la canoë. Merci, au revoir.